Wesh, bien ou quoi? Ça dit quoi? On est en vacances, t'es là, tu dors, tu fais pas de vidéo. En fait, j'étais dans le sud la semaine dernière. Oh, parce qu'en plus, il part en vacances et il fait même pas de vidéo. En fait, je ne vais pas me justifier. À part ça, ça va ou quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma revanche intergalactique, internationale, mondiale. Je ne sais quel adjectif utiliser. Vous l'avez beaucoup attendu. Ça y est, c'est bon moment. Et vous inquiétez pas que je me suis vengé comme il se doit. Je pense même qu'il y en a qui vont dire oh ouais, t'as été un peu fort là. Là, quand même, franchement, t'as un petit peu abusé. Mais y a pas de fumée sans feu en fait. On va commencer directement, mais juste avant, je vais faire les dédicaces. Donc, grosse force à Inès Bessamicelli de Saint-Mandé, Enzo Madou de Conflans, Denise Cutube d'Épinay sur Seine, Amirel Kadi de Sedan, et pour finir, Lucas de Villiers-Saint-Paul. Merci les gars, merci pour tout, merci pour le soutien, et bonne vidéo. Bien quoi l'équipe? Bon, alors c'est très simple. Aujourd'hui, ça va être mon frère qui m'obéit pendant 24 heures. J'avais fait la première partie où c'est moi qui lui obéissais. Il m'a fait chier toute la journée. Là, c'est moi, je vais me venger. Franchement, il est pas prêt. Ouais, il est 10h30. Là, on va le réveiller là tout de suite. Suivez-moi. Il va mettre ça toute la journée. Toute la journée. Réveille-toi. Quoi? Réveille-toi. Tu vas m'obéir toute la journée. Toute la journée, tu vas m'obéir. Tu vas être mon petit chien. T'es un comique toi. Lève-toi. Comme quoi? Déjà, tu vas commencer par mettre cette jolie perruque toute la journée. C'est un blagueur, Lulu, blague. Wesh. Toute la journée. Non, wesh, non, pas aujourd'hui. Toute la journée. Si. Non, c'est demain. Non, c'est mort, c'est mort. J'ai commencé, j'ai tout organisé. Là, c'est parti. Tu m'obéis pendant 24 heures. Allez, vas-y, t'as 5 minutes pour te réveiller. Vous avez vu ce qu'il fait? Il fait des phases. J'aime pas ça. Franchement, t'as intérêt à être prêt parce que vraiment. On va. Installé à côté de monsieur. Je sais pas si t'as vu, mais il y a les sables en ce moment. Je joue quoi? Je joue à rien, je joue à ce que tu m'obéisses. Va chercher ta carte bleue s'il te plaît. Allez, que ça saute. Vite. C'est bon, t'es prêt? Moi je suis en train de faire ma sélection là. C'est quoi ça? C'est une chemise. Je prends une chemise, il y a plein d'autres trucs aussi. C'est cher, c'est trop cher. C'est très bien. C'est cher, c'est très très cher même. 20€ la chemise. 79€ la paire. Je vais pas prendre ça, qui t'a dit que j'allais prendre ça? Je vais me faire plaisir, aujourd'hui tu vas ralasse. Je vais prendre des trucs trop chers. Non, trop. Franchement, arrête, tu mens. Non, tu forces. Lui, quand tu m'as fait payer le cocktail au Plaza là, 15€. Ouais, 15€. Oh, bah, 15€ du jus et des glaçons. Regarde les t-shirts comme ils sont sympas. Genre un beige comme ça, c'est carré. C'est cher. Non, je te jure que c'est pas cher. 11€ en plus, il y a 20% de réduction. Et en plus, get. Avec Ygral, t'as du cashback. Tu actives le cashback et après, tu récupères même des sous. Donc, c'est toi qui vas récupérer. Et franchement, t'es dans le bénef. Je te le dis, hein, j'aurais bien aimé récupérer mes sous du Plaza Athénée. 15€ le cocktail, je l'ai encore ici. Bon, c'est pas fini, je vais prendre ça. Prends un truc si tu veux. Hein. Ouais, bah oui, prends pour moi. Bah oui, tu me ruines et tu veux que je prenne pour moi. T'es un bon, toi. Je vais pas te ruiner. Tu veux avoir grave des réductions. Ouais bah ouais, des réductions. Choisis vite, j'ai pas toute ma journée. Bon bah je pense que déjà là j'ai un panier assez bien garni. Ouais, j'aime bien cette paire de lunettes, t'en penses quoi? 17€ la paire de lunettes, 17€. Je te jure que ça va. Ça va, tu vas avoir grave des réductions, je t'ai dit. Tu seras vraiment dans le bénéf. Sous total 95€. Oh ça va. Je crois que c'est l'argent qu'il avait eu pour son anniversaire. Allez, bah vas-y. 1, 2, 3, commandez. Nouveau remerciement pour votre commande. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais frérot, moi je t'explique. Là au moins t'as récupéré du cashback, ça veut dire que t'es dans le bénéf. Combien? Tu vas voir, plus t'achètes de toute façon sur internet et tu utilises l'extension Ygral, plus tu vas récupérer des sous. Pour ceux qui savent pas exactement ce que c'est, je vais tout vous expliquer et tout vous dire. Franchement, bête de plan. Franchement, c'est le bon plan de la vidéo. Il se met grave bien grâce à ça. Moi quand j'ai fait ma vidéo, frère, il y avait aucun bon plan pour me rattraper ou pour me sauver. Donc Ygral, c'est quoi? Je te laisse présenter ce que c'est qu'Ygral. Alors Ygral, c'est Merci Louay. Ygral en fait c'est très simple, c'est à la fois un site, une extension et une appli de cashback 100% gratuit bien sûr, où vous allez pouvoir récupérer de l'argent. Je m'explique. En fait Ygral va rembourser une partie de vos achats faits sur internet. D'ailleurs il y a plus de 1700 marchands. Là par exemple on a utilisé Asos, il y en a tellement. Du style c'est Discount, Asos. C'est très simple pour télécharger Ygral. Donc vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Ygral. Ensuite une fois que vous êtes dessus, vous vous inscrivez. L'inscription est gratuite bien évidemment. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez sur le site que vous souhaitez. Là en l'occurrence on va aller sur Asos. Une fois que vous êtes sur Asos, vous cliquez sur le petit logo Ygral en haut à droite de votre écran. Et là en fait ça va vous montrer le cashback qui est disponible sur le site. Là par exemple sur Asos il est à 6%. Vous cliquez sur activer, à partir de là vous faites votre shopping tranquille sur Asos. Une fois que vous terminez votre shopping, et bah vous récupérez du cashback. Une fois que vous atteignez 20€, vous pouvez récupérer soit ça en chèque cadeau, écoute bien parce que je pense que tu vas bien être content quand tu vas les récupérer, soit virement bancaire, soit PayPal. B9. J'avoue. Ygral en gros il est en partenariat avec les sites marchands, il touche une commission, et en fait il vous redistribue une partie de la commission. C'est comme ça que vous récupérez du cashback. Et bien évidemment le cashback il est cumulable avec les soldes, les codes promo, la totale. Donc franchement à la fin la commande elle est vraiment réduite. Et bien sûr je ne vous présente pas ce plan les mains vides. Dès que vous cliquerez sur mon lien que je vais vous mettre en barre d'infos, vous aurez automatiquement 10€ de cadeau de bienvenue au lieu de 3€.
beau. Elle est belle. Pourquoi t'as pas la perruque? Va mettre la perruque. Va mettre la perruque. Va mettre la perruque, on a pas fini. T'es foutu. T'es pas prêt. Dès que tu t'inscris, t'as 10€, wesh. Qui va te les donner 10€? En plus, c'est les soldes, vous allez pouvoir en profiter. Il va y avoir la rentrée aussi, vous allez pouvoir profiter pour les fournitures scolaires, les SAP. Donc foncez, n'hésitez pas à télécharger au maximum. Comme ça, au moins déjà d'entrée de jeu, bim, 10€ dans la poche. Qu'est-ce que tu fais? Je prends une glace. Wesh, ah non, mais regardez s'il vous plaît. Petit déjeuner, glace. Qui prend une glace au petit déjeuner, sérieux? On est en été. On est en été et alors? Prends un jus d'orange. Dépêche-toi, dépêche-toi, la journée n'est pas finie. Il y a plein d'autres défis qui t'attendent. Là, on va partir sur un massage de pieds. Non, mais c'est moi. Oh non, non, ce qui a déjà été fait, on le refait pas. Alors, je sais pas, c'est quoi cette règle? La blague. On a jamais dit ça dans le règlement. J'ai juré, il va passer dans le règlement, il va me masser. Allez, Ryan, un massage de pieds et en plus, je vais te redemander de me crémer les pieds aussi. Non, on refait ou pas? Non, mais est-ce qu'on refait? On commence par la crème, après massage. Fais pas de la dé, s'il te plaît. Je te lève un peu mon pied. Ouais, vas-y. Fais pas tes couillettes là. Avec les deux mains par contre. Mais qu'est-ce que tu fais? En fait, je t'ai demandé de mettre de la crème, hein. T'es pas en train de me faire de la peinture, hein. Je vais te le faire bouffer, mon yep. Voilà, tu vas rien comprendre. Non mais ça y est, c'est bon, t'as mis assez de crème. Là, il faut étaler. J'étale. Arrête de lever avec ton pied comme ça. Avec les deux mains. Arrête, arrête, je vais lui mettre, un avec coup de tête. Arrête, arrête. Allez, allez. Après, je vais devoir faire un bisou. Hein. Après, moi, j'avais fait un bisou. Je vais arrêter la vidéo. Dites la vérité, j'avais fait un bisou, moi. Je vais arrêter la vidéo. T'as pas le droit d'arrêter. Ah, je vais faire un bisou. Ah. Voilà, lâche-moi. Un bisou. Un bisou, un bisou. Ouais, lequel? Le sec ou le crémeux? Tiens, voilà, j'ai fait. C'est bon, on a fini. J'ai fait. Défi relevé. C'est à eux de savoir. Si... Est-ce qu'il a bien géré? La tête d'homme, franchement, se moi, je ne commençais pas. J'ai juste relevé. Hé, hey, il est même pas capable de m'obéir, en fait, du début à la fin. Qu'est-ce que tu fais? Je joue à la PlayStation. Je viens d'allumer, comment ça? Tu viens d'allumer? Ouais. Alors, c'est pas tout, mais en fait, j'ai envie d'un gâteau. Tu peux me faire un gâteau, s'il te plaît? Je sais pas faire du gâteau. Si, après t'as des recettes sur internet, on a tout ce qu'il faut. Franchement, je te demande un truc simple, un gâteau yaourt. Je sais pas faire les gâteaux. Frère, c'est facile, sucre, farine, pain. Mais c'est dur, frère. C'est pas dur, je veux un gâteau, merci. Il me demande de faire un gâteau, à croire que je sais faire des gâteaux, c'est un blagueur lui. S'il te plaît, tu prends un bon gâteau, je t'explique. Si le gâteau est keks, parce qu'on va goûter, Ryan, on va goûter le gâteau. Si le gâteau est keks, t'auras un défi. Et c'est eux qui vont choisir, ils vont te le donner en commentaire. Dans la prochaine vidéo, tu feras un défi. C'est vous qui déciderez. Allez frère, il faut que tu regardes la recette quand même. Un minimum. T'inquiète. Un minimum d'investissement. Tu as exactement 30 minutes pour le faire. Il a tué, lui, il a tué, on était dans le meilleur pâtissier en fait. Un temps, j'ai ouais. Tu vas te calmer. On est dans Top Chef. Tu vas te calmer. Tu te dépêches, t'as 30 minutes. Dans 30 minutes, si le gâteau il est pas au moins dans le moule, prêt à mettre au four, franchement, je pense que tu auras un gage. Je me casse. T'as dit quoi? Je sais pas casser les œufs. C'est pas mon problème. Casse, après tu coupes en deux. Oh, je suis trop fort. Rara, tu les as lavés? Ma mère, elle m'a dit, il faut que tu laves les œufs pour qu'ils soient halal. Je sais pas si c'est vrai. Il a jamais cassé un œuf de sa vie. Franchement, en 5ème, moi 5ème, je faisais du couscous. Goûte, goûte. Juste goûte. Oh. On sent trop la levure, t'en as trop mis. Je sens que son gâteau, ça va être un matelas. Comas. J'ai complètement zappé. Allô? Tu te la refous, s'il te plaît? Mais après, il va y avoir les poils. Non, non, il n'y en aura pas, tu fais attention. Il va y avoir les poils. Non, non, il n'y en aura pas, tu fais attention. Il va y avoir les poils. Non, mais sérieux, il a cru que j'avais zappé. Il fait que de m'insulter. Ah, je l'ai aidé, ça sert à rien. Enlève, enlève, enlève. Moi, c'est simple, t'auras un défi. Hein. Tu m'as pas aidé. C'est mort. Un gâteau, vraiment. Bonne idée, Ouais, ouvre le four. Non, non, je peux pas t'aider en fait. Je suis pas en train de faire un accompagnement personnalisé, hein. Je m'appelle pas Cyril Lignac. Ok. Lucas, attendre et goûter. Histoire de bien juger le gâteau périmé que tu nous as fait. Ouais. A few moments later. Le gâteau est prêt. Ah, le gâteau est prêt, on va pouvoir juger. C'est parti. Ah, c'est sûr, il aura un défi, frère. Le gâteau, une heure pour faire un gâteau. Eh ben, un gâteau. Vraiment. Ah, vous, il est beau. Est-ce qu'il a bien cuit à l'intérieur? Visuellement comme ça, très bien réussi. Mais moi je le rate à chaque fois, on va goûter. Dans tous les cas, il y a un défi, vous pouvez déjà commencer à dire ce que vous voulez qu'il fasse pour la prochaine fois, c'est vous qui choisissez. C'est un 4/4 le boy. C'est pas mal. Il est cramé, cramé, hein, vas-y, va là-bas toi. Vous en pensez quoi? Franchement c'est bon. Il est pas trop sucré et tout. Mon gâteau tout sec. Faut manger avec du Nutella, j'ai dit. Un gâteau sec vaut vraiment comme ton corps. T'as vu, ouais. C'est un truc de ouf. Franchement réussi. Merci. Moi je valide. Un chat, il est bon. Mais mets-nous ta perruque, quoi! Ta bouche! Toutes les deux minutes, je vais être là, ta perruque, ta perruque, ta perruque! Et il est dégueulasse ton défi. Bon, on enchaîne! Ah, ma journée n'est pas finie. Ce que j'ai décidé de lui faire, il va mettre des faux ongles. Il va péter un câble. Vraiment? Tiens. Quoi? Tu vas devoir mettre des faux ongles.
t'affiche. Non, non. Non, 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 j'ai rien. Non, non, non. Si tu veux, je t'aide. Non, non, non. J'ai jamais fait ça de ma vie. Non, non, non. Par contre, non. Ouais, je suis pas une fille, t'as vu, tu me fais. Tu me mets des frissons, gauche, arrête. J'ai joué avec. Tu vas les garder au moins pour le prochain défi. Non, 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 non. Bien évidemment, tu vas devoir poster une photo sur Instagram. La blague. Sur Instagram que je vais vous laisser juste ici. Il va devoir poster la photo, tu dois la laisser 24 heures. La blague. Ça, je suppose que c'est le pouce. J'ai des doigts, ils sont trop petits. Non, t'as pas des trop petits doigts, frérot. Ah, ça me cale. Ça se fait quoi de faire ça? T'as vu comment c'est laid? Un blédard, il sait pas mettre des ongles. Ah, j'en peux plus. C'est même pas la colle pour les ongles, frère. C'est une colle pour le papier. Vas-y. Eh ben, une manucure, vraiment. Ça me dégoûte, la tête d'homme, ça me dégoûte. Ah, c'est dégueulasse. Frère, c'est le défi, t'étais obligé de m'obéir. C'est parti, tu prends un selfie. Bon, photo postée sur son compte Insta. Je vous montre là, comme ça. Et c'est que 24 heures, je t'ai pas dit que tu la laisses pour tout le temps. Encore heureux. Ongle, manucure. C'est trop laid, mais c'est dégueulasse, frère. Mais moi je m'appelle Wednesday. Tu prends des caleçons sales. Et tu as de ma vie, ma vie. On dirait une patte de poule. Bien moche. c'est bien, t'as bien obéi, frérot. Mais c'est pas fini. Ouais. Viens, s'il te plaît. Ouais. Bah là, on va sortir. Bien sûr, tu sors comme ça, tu gardes la pépé. Même dehors, il m'oblige à la mettre. Mais je t'explique. Non, ça sert à rien de mettre tes chaussures, tu vas juste mettre une paire de chaussettes. Et tu vas marcher pieds nus jusqu'au McDo. Tu vas, tu marches pieds nus jusqu'au McDo. On commande, après tu ressors. T'as pas besoin de me regarder comme ça, hein. De toute façon t'as pas le choix. Tiens, je t'ai pris des magnifiques chaussettes. Barba papa. Sarayan en plus. Barba papa. Sarayan, j'ai juste Sarayan. La tête d'homme Sarayan. Sarayan, mais tes deux chaussettes Barba papa. On va aller, on est parti. Ouais, ouais. Allez, courons, t'as n'importe quoi. C'est bon, jusqu'au McDo, et après, on passe à autre chose. T'es vraiment miskin, quoi. Je répondrai pas. Regardez les pieds nus. Bon, on est presque arrivé au McDo. Franchement, t'as bien respecté, je suis content. Il manque plus qu'à faire la commande et après on est bon, hein. Ouais, ouais. Ah, frère, on est arrivé. Le McDo, il est juste là, le McDo. Après vous. Respectez les gestes barrières. On va... Comment j'ai chaud. C'est bon, t'es prêt? Attends, mais je vais m'y payer avec. Hop. Le maxi best-of, bien sûr. Attends, bien sûr. Voilà, t'as plus qu'à payer. 17 euros ce soir. Waouh. Paye. Pour moi c'est parfait. Par contre, tu as quand même pas cru que j'allais sortir pour rien et que t'allais rien faire dehors. Là je t'explique, tu vas devoir faire une petite danse pendant 15 minutes. Tu mets un gobelet devant, tu fais du breakdance. T'es un menteur. La tête de moi il va faire ça. Jolie nana, recherche, jolie Joe. Tiens. C'est avec ça que tu vas pouvoir ramasser quelques pièces. Bon bah c'est parti, hein. Tu vas, tu te poses là-bas, nous on va te filmer de loin. Et tu dois danser au moins 15 minutes. Eh, tu dois récolter au moins 1 euro. Eh, si tu rigoles pas 1 euro, plus 5 minutes. Allez, caps. Au moins 1 euro, au moins 1 euro. Voilà, il le fait. Il est en train de le faire, je suis KO. Ah, genre. Montre le mot de cas. Eh, on est sur une rue passagère quand même, hein. Il a fait tomber le gobelet. Bon, c'est bon, on va laisser tranquille, hein. ça y est. Eh, c'est bon. T'as rien récolté. À part les trois petites pièces que je lui ai données. Mais bon, au moins t'as relevé le défi. Il est choqué, déçu, je crois, il s'en remet pas. Et j'ai pas les mots, en fait. Pour terminer en beauté, je lui ai pris, vous savez, les nouilles piquantes. Oh, c'est une dinguerie. Tu manges une fourchette, t'es KO. Va finir tout ça, moi je vous le dis. Je mets les nouilles. Sauce rouge, romand, piquante. C'est prêt. C'est... Franchement, il va chialer. Bon bah c'est parti, hein. Let's go. Et voilà, jeune homme, le plat de consistance. C'est des délicieuses nouilles piquantes fois 100. Bon courage. Non, là t'abuses là par contre. Non, j'abuse pas. Bon appétit. Juste à l'odorat, ça se voit, elle pique à zarrache. C'est une dinguerie. Franchement, t'es pas prêt. C'est une idée, faut pas que ça touche les lèvres parce qu'après ça tue. Ah non, non, wesh, c'est trop wesh. T'as le droit de prendre un verre de lait si tu veux. Un verre de lait, mais là il faut pas un verre de lait là. Elles sont vraiment trop piquantes. C'est bon, mais qu'est-ce que ça pique. Ouais, c'est vrai qu'elles sont super bonnes par contre.
ça me pique aux joues. Ça te pique les joues? Ça pique partout ce truc. Un dernier mot pour cette journée que t'as passée? Je peux pas parler, j'ai les lèvres en feu. Franchement, j'en ai fait voir de toutes les couleurs. C'était comment le défi? C'était incroyable, mais c'était vraiment fou. Mais c'est bien quand même, franchement, elle a respecté ses engagements. Elle m'a obéi. Juste la perruque. La perruque! Va me chercher la perruque! Va me chercher, c'est pas fini, c'est pas fini. Là, on est encore dans les 24 heures. Puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il a respecté ou pas. C'est à vous, juste à vous de décider. Ah oui, n'oubliez pas si vous avez un défi à lui donner. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur nos Insta. À vous abonner aussi à ma chaîne, on est aussi bientôt 2 millions. Franchement, c'est une dinguerie. 2 millions, ouais. Puis voilà, on est ensemble. Merci l'équipe, ciao. Ah oui, et n'oubliez pas de choper vos 10 euros hein, sur Igral. Vous cliquez sur mon lien. Ciao.